petit problème d'ingérence. Voilà. Parce que, je sais pas, il y a la caméra qui a été changée de place et tout ça. Donc, bonjour, c'est la troisième fois qu'on vient. Nous sommes Phil et Kat. Et nous sommes les organisateurs de Trade en Bulle, que vous connaissez, l'association Limouxine. D'habitude, nous faisons des balles à Limoux, à la salle Monte Cristo. Et là, depuis Monsieur Covid, on ne peut plus rien faire en public. Donc, on fait par vidéo. Donc, c'est notre troisième Zoom danse. Les premières fois, on vous avait montré le pas de Polka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous vous souvenez? De toute façon, sur Trade en Bulle, vous pouvez encore les regarder. On vous avait appris la polka piquée. 1, 2, 3. 1, 2, 3, talon, pointe. 1, 2, 3, talon, pointe. 1, 2, 3, talon, pointe. Et on vous avait appris la mazurka, je crois bien, c'est ça? Oui, le pas de valse, la mazurka, le Madison. On vous avait appris le pas de valse. Là, comme ça, en avant, en arrière. On tourne en avant, en arrière, vous vous souvenez? Et ça, c'était le pas de valse. Après, on vous avait appris la mazurka, 1, 2, 3, 4, 5, hop, 2, 3, 4, hop, 1, 2, 3, 4, 5, hop, voilà, c'est 1, 2, 3, deux fois, sur la sixième fois, on lève un petit peu le pied. Et qu'est-ce qu'on vous avait appris donc? Ah oui, le Madison. Tam, 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 ta da da da. Tam, ta da 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 da. Tam, tam, tam. Vous vous souvenez aussi du Madison. C'est très très cool, c'est beaucoup dansé ici dans le sud, ils adorent ça. Et aujourd'hui, on va vous emmener plus dans le traditionnel avec la bourrée. Oui, deux sortes de bourrées. Enfin, alors, la bourrée, il y a plein de bourrées. Les bourrées sont dansées dans toute la France. Et de façon différente suivant les régions, voire des villages. Et les âges. Voilà. Donc, on va commencer par vous montrer la bourrée en ligne. Alors, pour faire la bourrée en ligne, on sait les... Donc, il y a déjà deux sortes, dans le sens où il y a la bourrée deux temps et la bourrée trois temps. Ces deux sortes font qu'on a des pas correspondantes au temps. Donc, c'est deux pas différents. Alors, la bourrée en ligne. Je vais d'abord vous apprendre le pas de bourrée. Alors, le pas de bourrée, c'est un pas un peu glissé. C'est un pas chassé, en fait. Souvent chassé, mais bon, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un pied qui chasse l'autre. Alors, on fait un petit glissement comme ça. 1, 2, 3, gauche, droite, un pied chasse l'autre, c'est pour ça que ça s'appelle pas chassé. J'ai du mal à voir les jambes à l'écran. Non, c'est bon. Est-ce que vous... Il n'y a pas quelqu'un qui lève le doigt pour dire qu'il va intervenir? On ne voit pas grand-chose. Voilà, ça c'est le pas chassé. Donc, comme la valse, c'est comme la valse, mais on fait glisser le pied, quoi. Oui, voilà. Mais de toute façon, toutes les danses se ressemblent un peu. Hein. Une fois qu'on a appris les pas de base, la polka et le pas de valse, je crois qu'on peut s'en servir un peu partout. Oui, c'est un peu... C'est exact. C'est un peu la valse, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est surtout le rythme qui est différent. Que nous on s'attache, c'est plutôt que de compter. On essaye de. On écoute surtout bien la musique, parce que les pas diffèrent suivant les rythmes musicaux. Par exemple, quand la musique tourne, elle vous fait tourner, ben vous tournez. Quand la musique est plus genre marche, et ben on marche. Voilà, tout simplement. Donc voilà, il suffit d'ouvrir bien les oreilles. Et surtout aussi, je rappelle à chaque fois, ne pas être rigide, être bien souple,
Parce que sinon, on se fait mal, on se fait mal aux jambes, on se fait mal au dos. Donc, restez bien, bien, bien souple. Donc, le pas de bourrée, bah, vous avez compris, hein, c'est un peu le pas de valse. C'est un peu pareil. C'est pas, c'est gauche-droite, gauche-droite. Vous avez raison. Normalement, c'est toujours... Il faut se mettre là, à peu près. Se mettre, je me mets là ? Oui, ici. Je vois un endroit où on le voit. Alors, la bourrée en ligne, on se met face à face avec notre partenaire. Et on fait deux pas de bourrée. Il fait deux pas de bourrée. Moi, je fais deux pas de bourrée pour se rejoindre au milieu. Alors, ça fait ça. On démarre pied gauche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, si vous voulez, vous le faites avec votre partenaire. Faites-le en même temps que nous, ça sera plus sympa. Commencez pas gauche. Comme ça, quand on arrive sur le pas droit, on est près de son partenaire. Après, la musique change. Donc, on fait. C'est comme je vous ai dit, elle marque un rythme plus rond. Donc, à ce moment-là, on se croise, on se regarde bien dans les yeux, comme ça. Et donc, on change. Hop, on change. Disons que le plus simple, c'est ça. Hop, et on se retrouve. On peut tourner ou pas tourner. On se retrouve face à son partenaire, mais dans le sens inverse. Voilà. On va le refaire. Hein. Donc on peut faire sans tourner. 1, 2, 3. Attends, on recommence. Départ. Allez. On recommence. 1, 2, on voit pas tes jambes. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, on s'arrête, on regarde le partenaire. Et on peut simplement faire ça. Allez. Ça y est ? Ça y est. Là, on donne un petit coup d'épaule. Et on peut tourner aussi. Ça dépend. On se retourne, voilà. Et on revient en arrière à sa place. Quand la musique le dit. Vous avez vu là comment on fait ? On se retourne, on fait un petit tour et on recule et on revient à sa place. Est-ce qu'il y a un problème ? Non ? Bon. Tu mets la musique, Philippe, on va essayer de te démontrer la chose. Alors, je vais mettre le bourré de Marrakech, ça sera mieux. Je mets à la vitesse ou pas ? Oui. Bon, ce sont des morceaux que j'ai enregistrés, hein, sur... Enfin, que j'ai enregistrés, que j'ai fabriqués. On se donne un petit coup d'épaule et on fait un tour.
Il y a une façon de faire qui est moins fatigante, c'est de ne pas faire le tour. Et ça marche quand même. Il faut juste garder le rythme. Parce que c'est une question, la danse, c'est une question de rythme. Donc, on peut faire ça, ça, et simplement tourner. Simplement tourner, repartir en arrière et faire ça. Ça ne change rien du tout. C'est moins fatigant. Voilà. Le tout, c'est de se regarder dans les yeux. Se regarder dans les yeux. Au passage, il faut se regarder dans les yeux. Pas pour se croiser, parce que sinon... Parce qu'on ne peut pas montrer le dos à son partenaire. Il faut toujours regarder. Ouais. On montre le dos. Et ça permet de rester bien en ligne et pas de se retrouver à l'autre bout de la salle. Donc, on peut faire ça. Alors, les bras, on ne les met pas dans les poches, quoi, parce que c'est pas bon, donc on essaie de bouger un petit peu. Ouais, je fais ça. Voilà. Un petit battement comme ça. Comme si je faisais un petit peu de batterie, ou alors. Voilà, c'est ça. On essaye d'être jolie quand même, parce que c'est une danse de... Dans les VH, c'était quand même une danse pour faire la cour. Voilà, ouais. C'est exactement on ça. On se regarde dans les yeux, etc., etc. Donc c'est aussi une question d'âge. Est-ce que on continue ou est-ce que... Est-ce que vous voulez danser? Nous, on peut faire la musique si vous voulez. On vous entend pas. Comment on fait pour remettre la... Moi, je peux bien essayer de danser sur la musique encore une fois. Ouais. Allez, on va faire un peu la musique. C'est toi qui danses et nous on fait la musique ou on danse? Qu'est-ce que tu préfères? Je sais pas. Après, j'arrive pas à danser et vous regarder en même temps, mais je voulais essayer de danser. Donc, je refais une toute petite explication. Hein. Pas glissé, on démarre du pas de la gauche. Plus clair pour nous. Enfin, moi, j'avais compris en fait que je commençais à tourner trop tard. En fait, tu commences à tourner sur le deuxième pied. Il faut bien écouter. Ouais. C'est quand ça fait la musique se fait plus ronde. Elle fait ta da 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 da. Au départ, c'est ta 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 ta. Il y a un moment, ça fait ta da 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 da. Et quand la musique commence à faire ça. En trad, ça veut dire forcément qu'il faut tourner, parce que c'est une musique qui fait tourner. Il faut bien écouter la musique. Et le pied, peu importe, hein, vous faites le pied gauche, le pied droit, celui qui vous arrange, du moment que vous tournez, c'est bon. Il ouais, n'y a pas de règle absolue en danse trad. Hein. On s'arrange tous pour que ça marche, qu'on reste en rythme et on se sert du pied qui va bien. Vous avez compris? Si vous voulez, on peut faire un petit morceau à deux. Accordéon. Vous voulez qu'on vous fasse un petit air de musique à deux, à l'accordéon et pour essayer de vous entraîner. Non. Je n'ai pas de réponse. Voilà. Oui, c'est OK. OK. Tu m'as pas chuté.
Voilà. Alors, deux pas de bourrée en avant, deux pas de bourrée en arrière, deux pas de bourrée en avant, on tourne. On regarde la caméra. C'est la suivante. C'est très rapide. Pardon ? C'est rapide, non ? C'est le rythme normal, celui-là. Non, c'est le... Oui, c'est le rythme normal. Il y en a qui sont... Mais de toute façon, dans... Oui. Dans les danses trad, il faut faire un certain rythme. Juste bien, parce que si c'est trop lent, ça ne va pas. Si ça est trop vite, ça ne va pas non plus. Tiens, tu peux le détacher. Parce que là, là, au niveau des pas des pieds, tu fais 1, 2, 3 ou 1, 2 ? En fait, c'est toujours 1, 2, 3, mais... 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça peut se faire de façon différente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. C'est toujours 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, toujours. Mais le 3, on le bouge ou pas ? Quoi ? Oui, je n'ai pas entendu. Le 3, on j'ai l'impression que des fois, il y a des gens, ils le marquent, et des fois, il y a des gens qui lisent que le 3, il est immobilisé, on ne bouge pas sur le 3. Oui, ah oui, parce qu'il y a une façon de faire qui est... C'est la façon un peu plus fainéante. On peut faire comme ça, hop, et repartir en arrière comme ça. On peut le faire aussi comme ça, hein, pas de problème. Le tout, c'est parce que ça fait toujours 1, 2, 3, mais sauf que c'est pas... On marque le rythme en faisant des balancements de corps comme ça, de genoux. C'est-à-dire qu'au lieu de faire... on fait comme ça, on fait... Ça marche aussi. Ça, c'est une danse pour les petits vieux, là. Voilà. En danse traditionnelle, l'âge compte. Ça n'a rien à voir, quand même. On peut absolument le faire, du moment qu'on,
quand on arrive à la fin de la phrase musicale, on se retrouve là, il n'y a pas de problème. On peut faire comme on veut. C'est pas de la danse classique, hein, c'est une danse de rythme, on suit le rythme, on écoute surtout bien la musique, peu importe les pieds, machin. Le tout, c'est de, comme à la fin de la phrase musicale, on se retrouve face à son partenaire, et si on ne veut pas se fatiguer à faire des petits sauts, des petits pas, et ben on pose le pied. Nous, on a appris à danser avec un vieux monsieur, on l'appelait le Père Noël. Il faisait comme ça, et ça marchait très bien. Voilà. Il n'y a pas de... C'est pas absolu. Ça vous va ? On peut faire comme ça. On peut refaire une petite danse devant, pour être sûr. Bon, je vais lancer la danse. On met le rythme sur les genoux, puis ça marche aussi. Au rose en bleu, par exemple. Hop. Ben, ça, c'est toujours... On attend un petit peu que ça démarre. Enfin, parce que... Moi, je ne le fais pas parce que je suis trop habituée à faire beaucoup de pas et j'arrive pas à danser quand c'est comme ça. Donc, mais ça va sinon, hein. Pour apprendre, c'est bien. Ça passe très bien. Hein. Quand je suis fatiguée, au bout de la cinquième ou sixième bourrée, c'est ce que je fais. Hein. Ça marche aussi. Et on est, du moment qu'on garde le rythme, le trad, c'est ça, c'est une histoire de rythme, et du moment qu'on le garde, peu importe. Les pas. Alors après, Philippe a fait une petite variante, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on peut faire ça, faire ça, et à un moment, on tourne. Et le monsieur, s'il a envie de s'amuser, au lieu de repartir en arrière, il suit la dame. Et c'est ce qu'il a fait, il m'a suivi.
Et après, la dame, ben, elle fait pareil, pourquoi pas. Donc, elle se retrouve au milieu, et au lieu de tourner comme ça, elle peut suivre le monsieur jusqu'à chez lui. C'est un petit jeu, quoi. On peut s'amuser comme ça, on peut faire des variantes. Vas-y, Philou. On peut faire ça. On peut faire ça. Voilà. C'est parce qu'on est. Si, on peut le faire, ça aussi. Du moment qu'on garde toujours le rythme, pam, 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 pam. Peu importe qu'on fasse deux ou trois pas, c'est pas important. Enfin, si, en général, on en fait deux. Un, deux. Voilà. Autre question ?